Bonjour tout le monde, nous revoici aujourd'hui pour présentation d'un nouveau deck, c'est cette fois-ci le deck de la Garde Armored, donc deck blindé anglais. Alors, on va faire très simple, pour moi ce deck est une catastrophe, voire une merde complète et totale. Et je vais essayer de vous décrire pourquoi. Alors, tout d'abord, quand on commence, au niveau de la roco, on a l'habituel Reke, Scout. Petit véhicule de recours dès le début. Voilà. Après, vous avez accès à un véhicule de recours pas trop mal, hein, avec 8 de blindage frontal, 3 de latéral, un canon à 11 d'AP, 5 de précision et 5 d'HE. Donc, du bon ton. Donc, au niveau recours, ça va. Alors, au niveau de l'infanterie, c'est là qu'on commence à tiquer. C'est-à-dire qu'au niveau de l'infanterie, bah, vous commencez à avoir en phase A du rifle à 20 points x 6. Et là, sans expérience, et là on commence à se dire c'est quand même bizarre, hein. x6, 20 points, ça doit réellement être de la merde. C'est ce que je confirme parfaitement, hein. C'est d'une daube absolue et complète. Après, vous avez accès au Vickers au classique. Vous avez également accès au Open Group, mais là bien sûr qu'ils sont un peu plus chers parce qu'ils ont un véhicule blind, un half-track de transport. Ils ne sont que ça, donc ça les Ben Group, je rappelle, c'est de l'infanterie plutôt fait pour le corps, pour la courte distance. Voilà. Après, vous avez le Rifle Leader. Bon. Voilà. Et on continue dans la merde complète, c'est-à-dire avec les rifles x8, toujours à 20 points. Voilà, ça vaut rien. C'est comme de l'Austin Troopen. Ça ne sert à rien. Ça servira juste à combler les trous, mais de toute façon, à 1 contre 3, ils se feront dégommer la gueule. Voilà, vous avez de nouveau accès à des Vickers en B. Vous avez par contre accès à des assauts pionniers, mais qui ne sont toujours que 5 et qui sont plus chers. À du Ben Group qui commence, ça y est, à avoir un peu d'expérience, voilà, en phase B. Et également à des motorrifles qui, cela, valent un peu plus le coup et en plus qui ont une arme anti-char. Mais qui sont que 8, voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, si vous voulez de l'infanterie, vous pouvez spammer l'infanterie. Mais de toute façon, elle est incapable de se battre, ou même en supériorité numérique. Enfin voilà, c'est du n'importe où. L'infanterie est nulle à chier. Ensuite, au niveau des tanks. Au niveau des tanks, on se dit, yes, super, c'est un deck blind, c'est la garde armorée, c'est quand même un peu plus ou moins de ce que j'ai compris, la grosse élite blindée anglais. On va avoir du char avec des gars qui sont expérimentés, qui ont combattu en Afrique du Nord et tout. Et ben non! Vous avez de nouveau du char et de la bonne bouse, bien comme il faut. Donc on commence, bon, avec un Stuart classique, hein, parfaitement normal. Je critique pas le fait d'avoir ce Stuart là. On a accès à un commandant Cromwell, donc c'est pas mal, hein, pour en phase A. Surtout 11 d'AP, 5 d'HE, pardon. Bon, voilà, ça fait le taf. Mais alors c'est après qu'on fait, ben, en B, ben, on a accès de nouveau à du Cromwell, qui est 30 points moins cher que le Sherman, mais qui au final est moins blindé, enfin qui est plus nul. Et puis bah, ben, voilà, surtout on a accès au Sherman. Sherman de base qui est non VT sauf les commandants avec une étoile. Donc c'est du Sherman de base, hein. C'est de la belle bouse alliée comme il faut, c'est-à-dire avec un canon court, pas... Un blind à 11 de blindage en frontal et 11 d'AP, hein, parce que bien sûr, tous les tanks allemands ont moins de 10 d'AP. Voilà, voilà, c'est de la belle unité à aller envoyer se faire tuer. Et puis bah, vous dites, bah, c'est bien quand même les Anglais, c'est quand même connu, ils avaient le Firefly, ils ont quand même pas dû donner ça à des équipages handicapés, ils ont donné ça à des types qui savaient, ou qui avaient un peu d'XP, même si on n'a pas beaucoup, etc. Et ben non, parce que dès la phase B, ben vous avez accès du Firefly, mais sans XP. Donc, incompétent au possible, parce que surtout vous allez l'utiliser pour essayer de tuer un char type un tigre que vous aurez en face, etc. Puisque là, il peut normalement le pénétrer sans problème avec 11 d'AP. Seulement, il ne sait pas tirer puisqu'il a aucune expérience. Il va falloir le booster avec un commandant pour qu'il ait un point d'expérience. Alors qu'en face, vous aurez possiblement du tir avec 3 d'expérience puisque c'est du 2 plus une étoile de commandant. Donc, autant vous dire que le Firefly ne servira à rien puisque ça sera 210 points donnés à l'adversaire avec son 11 de blindage frontal. Le chien, le tigre, je vous rappelle, a 12 de blindage frontal et 16 d'AP. Voilà, donc vous n'avez pas grand-chose. Et puis, bah, on sait, hein,
On prend les mêmes et puis on en met un peu plus, histoire de dire que ben on en a mis un peu plus. Voilà. Donc elle a si vous voulez, je trouvais la division blindée américaine pas super, mais au moins ils ont du Sherman 76, du Sherman 75, quoi. Là, vous avez des Firefly qui sont ch assez chers, qui savent pas tirer, et qui vont perdre tout leur duel face à un vrai tank. Un main battle tank allemand. Donc du Panther, du tir, enfin voilà. Donc voilà, vous commencez à comprendre le gros malaise de ce deck. Ensuite en support. Bon, support, vous avez le Cromwell 6, hein, équivalent du Botteux Cromwell chez la 12e SS plus connue. Voilà, puis après vous avez l'habit donc du nouveau du Cromwell, du Crocodile, donc c'est pas mal, hein, c'est. De la petite Jeep, du petit véhicule de commandement bien moche, comme savent très bien le faire les Anglais. Voilà. Après, bah, anti-infanterie, bah, vous êtes un deck blindé, donc forcément, vous n'avez pas accès à grand-chose. Vous avez accès à la boost de Piat dès le début, hein, qui est franchement pas génial, puisqu'on a l'impression que plus de tirer un obus de mortier à courte distance qu'autre chose. Vous avez le 6 Pounder plus classique, hein. Ensuite, vous avez ben, en B, vous avez le 17 Pounder classique, mais là, vous n'en avez que x2, hein, sinon ce serait trop marrant. Et puis, vous avez accès en face C à du haché, mais vous voyez, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main avec une petite anomalie avec un doigt en plus. Hein. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez. Vous n'avez pas de canon anti-char spécifique en C pour en avoir plus. Voilà, c'est peanuts, c'est la catastrophe. Sinon, ben, après, au niveau anti-aérien, bon, au niveau anti-aérien. Vous avez quand même les pas mauvais Crusader MK2, hein, qui avec 11 d'HE, 800 mètres de portée. Bon, vous avez les Paulsen, je passe, hein, avec 4 d'HE, 1000 mètres, 800 mètres de portée, oubliés. Hein. Et puis après, vous avez le Crusader, 1000 mètres de portée, 10 d'HE. Donc, bon, niveau entier, c'est pas ouf, mais bof. Voilà. Alors, au niveau de l'artillerie. Au niveau de l'artillerie, vous avez ces fameux petits mortiers qu'on se dit, c'est bien, les Allemands, ils en ont un. Hein. Ils en ont un pour 85 points, 1200 mètres de portée, sauf qu'il a 700 mètres de portée. Donc le truc n'est même pas capable de tirer sur un canon anti-char en pleine. Voilà. Il se fera dégommer avant. Le seul intérêt, c'est que ça tire rapidement. Mais sinon, c'est également une bouse absolue, complète. Voilà. Donc du coup, bah, vous allez vous remettre sur le 25 Pounder. 25 Pounder, ouais, effectivement, vous en avez un en phase A, donc déjà c'est pas génial. 2400 mètres de portée, bon, c'est un peu mieux. 11 d'HE, donc c'est pas non plus super bandant, hein, clairement. Et 120 points, hein, ça veut dire qu'il faut un cycle, et, il faut deux cycles pour pouvoir, ou un cycle avec 60, avec 40 points en réserve pour pouvoir le sortir. Donc ça fait quand même super cher l'artillerie, un tant soit peu valable. Hein. Après, vous avez le Sexton. Sexton qui est exactement la même chose que le 25 Pounder, mais blindé. Hein. Rien de très exceptionnel, juste 11 d'HE. Enfin, pour 150 points, personnellement, je préfère avoir un Lorraine côté allemand. Enfin, ouais. Enfin, après, vous avez également les mortiers de 3 inches à 10 d'HE. Voilà. Donc, pas grand-chose. Et puis, bah, vous avez du Cromwell avec de l'artillerie, mais bon, que 140 mm, donc pas forcément génial. Et puis bah, au niveau des airs, bah, au niveau des airs, vous avez le droit qu'à 3 avions, hein, parce que ça serait trop fun. Pas comme si vous aviez déjà un deck super complet et super intéressant à faire. Hein. Et donc vous avez accès à quoi? Vous avez accès au Spitfire classique phase A, qu'ont souvent les Anglais avec leur bombe de 230. Et puis après on passe tout de suite à la phase B, hein, parce que bien sûr en phase A vous avez tellement de choix, tellement de possibilités, etc. qu'on autant mettre directement les avions en phase B. Donc vous avez accès au Tempest anglais classique phase B. Au Typhoon à bombe en B, au Typhoon en anti-tank en B, enfin voilà. En C, vous avez également accès à du Typhoon à roquette. Enfin voilà. Voilà ma petite présentation de ce deck qui pour moi, ça sert à rien que vous en fassiez un. Il ne sert à rien. Vous pourrez rien faire. Le moindre truc, vous n'avez aucun contre possible. Au moins les Firefly, quelques temps qu'on aura de l'expérience, ça vaudrait le coup. Mais là, vous avez juste un des quelques Firefly qui ont de l'XP en phase C. Enfin, vous en avez deux. Autant dire qu'en phase C, vous allez avoir du Koenig Tiger, du Tig, du Panther, du canon de 88. Autant dire que vous n'avez rien. Donc voilà. Un deck
Ni à faire ni à refaire, oubliez-le, jouez autre chose, allez vous amuser avec le deck écossais, avec le deck canadien, enfin voilà. Mais oubliez-le, il ne vaut absolument même pas la peine d'être fait. Voilà, salut tout le monde et à une prochaine.